Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi j'ai été ramener le flamant rose chez Action? J'aurais pas dû. vous devinez pourquoi? Alors, je vais vous montrer. J'ai retrouvé des nouveautés que j'avais pas vues hier. Elles étaient bien planquées. Mais d'abord, bon, je vais vous montrer d'abord les gros trucs. Voilà. Cette petite étagère, voilà, avec des crochets. Tic, tic, tic. Voilà. Je ne sais pas si j'ai les mesures dessus. Si. Alors, elle fait 36 cm sur 10 cm et 20 cm de hauteur. Voilà. Vous voyez. Donc, moi, elle va me servir dans mon atelier. Et ça va me permettre de pendre des petits sachets de perles. Je vais bien me... Ah non, commence pas, Fifi. Voilà. Et donc, je suis allée à mon passage en caisse. Je paye mes courses, tout. Et juste devant la caisse, je vois une vendeuse qui met en rayon, en tête de gondole, des étagères. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de vous la montrer un peu plus loin. Voilà. Vous voyez, les étagères que tout le monde s'arrache. J'en ai déjà une. Mais du coup, j'ai dit, oh, ce serait bien d'en avoir une deuxième. Toujours pour mon atelier. Elles sont super belles. Et en plus, là, elles sont en promo. Alors, ça part comme des petits pains. Donc, si vous êtes dans mon coin et que vous en voulez une, allez tout de suite, allez aujourd'hui à l'Aix, au centre commercial d'Auchan, donc l'Action qui est sur le côté là, parce qu'elle était en train de les mettre en rayon. Voilà, et j'ai vu, elle n'avait qu'un seul carton. Donc voilà, bon, Fifi, commence pas s'il te plaît. Ensuite. Alors, hier je vous disais que moi je voulais pas prendre les blocs pour faire des boîtes. Je ne mets pas devant ma puce. Là, voilà. Mais j'ai une amie qui ne les trouve pas dans son Action. Donc j'en ai pris deux différents. Céline, si tu passes par là, j'ai tes deux blocs. Mets-toi là. Couché. Voilà, c'est bien. Pas bouger. Alors, voilà comment ça se présente. Voilà. Alors, je vais regarder. Je vais essayer de le décoller pour vous montrer l'intérieur. J'espère que tu m'en voudras pas, Céline, de les avoir ouverts. C'est pour montrer ce que c'est. Voilà. Donc voilà, ça se prend. Alors je sais pas, je pense pas que vous allez voir les découpes. Un petit peu peut-être. Voilà. Voyez. Donc c'est déjà pré-découpé. Vous n'avez plus qu'à. Oula, c'est très fragile par contre. Alors, je vais pas vous montrer. Je vais essayer de vous montrer comme ça. C'est parce que j'ai peur que ça se découpe. Alors, voilà. Baissez la caméra à fond. Voilà, je crois que ça ira mieux. Donc, il y en a deux de chaque, ouais. Voilà. Voilà les papiers. En fin de compte, je regrette peut-être de ne pas en avoir pris pour moi. Enfin, je sais pas, bon. Voilà. En plus, ce qui est bien là, si vous voulez, vous pouvez en acheter qu'un. Une fois que c'est découpé, vous retracez sur une feuille et vous avez le patron pour refaire des boîtes à l'infini avec vos papiers à vous. Donc, c'est une bonne idée aussi. Voilà. J'espère que vous voyez bien.
Bon là, je suis désolée, vous voyez pas les découpes. Hein. Alors les boîtes que l'on peut faire avec, les voilà. Je remonte la caméra. Voilà ce qu'on peut faire avec. Alors par contre, cela, comme vous voyez, hein, c'est 2,59 €. Hein, et donc là, il y a 40 fois. Est-ce que ça veut dire 40 boîtes? Non. Je sais pas. Et là, alors celui-là, c'est... Ah mince, j'aurais dû prendre celui-là pour moi. C'est des enveloppes. Ah zut. Zut, zut, zut. Mince, celui-là, je l'aurais voulu. Bon, alors je vais vous montrer celui-là. Je vais remettre la caméra. Désolé, hein, je vous donne mal de mer aujourd'hui. Donc celui-là, c'est pour faire des enveloppes. Celui-là, il est joli à faire des en gold avec des flamants roses. Parlons de flamants roses et de licorne, pour celles qui aiment ça, j'ai des bijoux de sacs et de planeurs dans ma boutique avec des licornes et des flamants roses. Alors n'hésitez pas à y aller, c'est dans ma boutique d'Awanda, le lien est en barre d'infos. Je fais ma petite pub hein, au passage. Faut bien que je gagne des sous-sous pour aller à Action. Alors, oups. Par contre, les papiers, moi, je les trouve pas terribles, terribles. Bon, à part celui-là, peut-être, parce qu'il est brillant. Ils auraient pu faire un effort sur les motifs de papier. Voilà. Donc, voilà les deux que j'ai pris. Et donc voilà ce qu'on peut faire avec. Je vais enlever. Voilà. Le genre d'enveloppe que l'on peut faire avec. Donc Céline, j'étais bloc. En passage, j'espère que je l'avais pas celui-là, je crois pas. Il me disait rien. C'est avec le fol. Donc là, il y a de l'argenté, du doré, oui, je crois qu'il y a les deux. Donc c'est le Soft Silver Vintage, voilà. Alors il y en avait, pour celles qui peuvent aller à l'air, s'il y en a. Il y a aussi le Gold et Argent. Dépêchez-vous d'y aller. Hein. Voilà, je vous montre. Alors je vais vous montrer dans l'autre sens, ça ira mieux. Alors il y a toujours une page sans brillant et une page avec du brillant. Voilà, là c'est des étoiles argentées. Voilà. Celui-là, un boulot. Bon, il est moins terrible que les autres. Voilà, peut-être. Ah, des papillons. Je sais pas si je l'ai. Je sais pas, je vais regarder. Non, je crois pas, parce que je crois pas que j'ai vu ça. Je l'ai peut-être vu sur une vidéo. C'est pour ça qu'il me dit quelque chose. Et voilà. Donc ça, c'est les trois grands blocs que j'ai trouvés. Et la nouveauté, alors là j'ai fait le plein, j'ai dit je m'en supplie deux de chaque. Comme ça, je suis sûre de les avoir. De toute façon, il n'y en a que deux de chaque dans le monde. Alors d'abord, encore pour Céline,
Voilà, je les ai montrés hier. Je t'ai pris celui-là. Donc, je vous les avais montrés hier, hein, je passe rapide. Voilà. Et je t'ai pris cela. Il n'y avait plus que ces deux-là. Donc, je vais faire dans ce sens-là, ça ira mieux. Et le dernier, il est là. Voilà. Alors, là, c'est des blocs de papier 15-15 mixed media. Alors, j'avais que 4 couleurs. Je ne sais pas s'il en existe d'autres, puisque là, il n'y avait que cela. Donc, je m'en suis pris 2 de chaque. Je vous les montre. Ils sont super beau. Donc voilà, ça c'est le rouge. Voilà. Alors il y a 18 feuilles dedans, 15-15. Alors il y a, je regarde en français, il y en a 6 cartonnés, 4 pailletés, 4 holographiques et 4 pailletés holographiques. Alors, je cherche comment vous les montrer. Voilà. Donc, peut-être avancer un peu, vous verrez mieux. Voilà. Le pailleté. Ça va être super beau pour faire mes cartes, ça. Holographique. Ils sont assez épais, hein, c'est vraiment des cartons. Hein. Voilà pour le rouge. Après le doré, on va dire. Voilà, dans les tons dorés. Je vous montre. Ça c'est les normaux, hein. Les dorés, regardez, sont géniaux. Là, doré holographique, là avec des étoiles. Ils commencent à nous faire des belles choses. Hein. Enfin, ils nous ont toujours fait des choses à peu près potables. Mais là, ils commencent à monter en gamme. Voilà, celui-là, regardez celui-là. Il est génial. Voilà. Donc, 2 de chaque aussi, celui-là. Ensuite, les bleus. Voilà. Alors, je vous montre aussi. Alors, il fallait vraiment les voir. Hein. J'étais planquée dans un petit trou. Et je ne les ai pas encore vus dans les vidéos, je pense. Regardez le bleu. Juste magnifique. Là, le bleu holographique. Là, avec les étoiles.
Et voilà pour le bleu. Et le dernier, donc c'est le vert. Voilà. En argent. Celui-là il est super beau. Je sais pas si vous voyez bien les reflets, mais alors il est en vrai il est magnifique. Un holographique, super beau aussi. Les étoiles. Encore un holographique. Vous voyez les couleurs que ça fait suivant comment on le bouge. Juste trop beau. Je suis contente de les avoir trouvés et contente de me les avoir pris en double parce que je crois que je suis pas prêt à les retrouver. Voilà. Ensuite, vous voyez, je vous ai dit, hein, je vais juste partir ramener. Excusez-moi pour le bruit. J'étais partie juste ramener le flamant rose. J'ai repris un carton comme ça métallisé. J'avais pas cette couleur là, donc je l'ai pris. Et ben là, je l'ai déjà mis là-bas. Ils m'ont changé celui où il m'en manquait. Il me manquait une feuille. C'est passé comme une lettre à la poste. Je suis contente. Voilà. Donc là, j'ai pris celui-là en plus. Voilà les couleurs. J'ai pris le même, mais c'est que du jaune, enfin du beige, et du blanc. Voilà. Ensuite, j'ai repris ça, j'aime bien ça, des bordures de perles, de demi-perles, en stickers. Voilà. En bleu, en rose. Et en blanc. Voilà, ça j'aime bien. Bah c'est tout, hein. Voilà. Alors, allez rendre un flamant rose et vous revenez avec plus de 20 euros de course. C'est super. En même temps, je vais vous montrer. Ah non, si, j'ai pris ça. Alors, je suis en train de me demander maintenant si je ne l'ai pas déjà. Je ne sais plus. Ça me... Voilà. Celui-là, hier je l'avais pas, je pense, hein. Non. Et je vais regarder si je l'avais pas déjà. Donc c'est les papillons avec le dies. Donc je vous dirai si je l'ai ou si je l'ai pas. En même temps, je suis passée en vitesse à Cultura puisque je vous ai dit que j'attaque le grand album, mais il manquait un petit peu de matériel. Donc je vais vous montrer. Alors le grand album va être fait sur le thème du cabinet de curiosité de chez Toga. Je n'avais pas trouvé encore ces deux rubans là, les deux rubans larges comme ça. Donc c'est chose faite. Voilà, arrête. Oh là là, okay. Donc il y en a deux la taille, ils mettent pas, si, deux fois un mètre. Voilà, il y a deux fois un mètre. J'ai repris quand même en individuel deux feuilles comme ça, les deux mêmes, parce que je pense que c'est ceux-là qui vont me servir pour mes couvertures. Voilà, donc derrière ça fait ça. Voilà, donc il sera vraiment grand, hein. Enfin vraiment grand, ce sera un album A4. Voilà. Et donc pour faire la couverture assez grand. Hop là. Alors vous n'allez pas le voir, hein, la grande taille, mais voilà, j'ai repris, là c'est du souple, hein, c'est du, je sais pas si vous remarquez, du 120 grammes. C'est du papier Canson. Alors je vous montre derrière, voilà, si vous voyez,
Bon, je ne vois plus rien, donc, alors attendez, excusez-moi, il y a une étiquette. Non, j'ai perdu l'étiquette. Ah, elle est là, voilà. Voilà, on va y arriver. Voilà, pour la référence, j'espère que vous la voyez bien. Enfin, je vous le dis, c'est de la Canson 120 grammes. Voilà, donc elle mesure... c'est des, comme celle que j'avais fait pour l'album en zigzag, mais en moins épais. Elle mesure combien? C'est pas marqué. Donc, là, j'ai... Ah, bah si, attendez, j'ai un mètre à côté de moi. Voilà. Hop. Alors, elle fait 65 sur 50. Voilà, 65 sur 50. Donc, j'en ai pris deux au cas où. Et j'ai pris ça. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est grand. Voilà. C'est un carton plume. Donc, c'est pour faire ma base de couverture d'album. Alors, lui, la taille, je l'ai. Alors, c'est du 50 cm sur 70 cm. Et en épaisseur, c'est 3 mm. Voilà. Vous voyez, ça, c'est l'épaisseur. Et ça va, c'est rigide. Hein. Mais bon, au moins, c'est léger. Carton plume. Voilà. Égal léger. Donc, la base de l'album va être faite dedans. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon album. Donc, j'ai d'abord pensé que je vous ferais une première partie pour la couverture et la reliure de pages. Voilà. Et après, je vous ferai des vidéos, pas par page, parce que ça va être très long. Parce que je pense que je vais essayer de faire une dizaine de pages. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos. Fifi qui a fait des bêtises. Voilà. Il faut jouer au basket en ce moment avec elle. Ouais, elle veut aller faire pipi dans les paniers des chiens, la vilaine fille. Non mais. qu'est-ce que je vous disais? Ça y est, elle m'a coupé la chic. Ouais. Donc je vous ferai des vidéos par deux ou trois pages, je pense, suivant la complexité de la page. Voilà, je vais essayer de faire au maximum et essayer de ne pas vous faire des vidéos d'une heure à chaque fois, parce que vous allez en avoir marre, vous allez dire, oh, Didi qui nous barbe avec son album, donc on coupe. Il y aura des accélérés, bien sûr, comme d'habitude. Hein, puis, voilà. Okay, vas-y, roule-toi sur mon papier. Hein, je te dirai rien. Voilà. Regarde-moi ça. La princesse. Princesse Fifi. Hein? Elle va beaucoup mieux. Ça y est, elle a arrêté ses médicaments. Donc, non, elle va mieux. Et là, j'aimerais bien trouver un toiletteur pour chat. Mais qui sait faire les chats. Pour lui redonner une petite beauté, parce que avec l'opération, elle a été malade et tout. Puis elle a plein de petits poils sous les papates. Regardez là, dans les coussinets, elle a plein de poils. Et donc il faudrait qu'elle fasse une petite épilation sous les papates. Et ça, je ne veux pas le faire moi-même, parce que sinon elle va croire que je vais lui faire mal. Ah, t'arrêtes de mordre. T'arrêtes de mordre. Donc, si jamais vous êtes dans mon coin, dites-le moi au passage. Si vous connaissez un toiletteur pour chat, dites-le moi. Parce que j'essaie d'en trouver un, mais moi j'ai le toiletteur de mes poilus. Elle veut bien l'apprendre, mais juste pour faire le dessous de ses pattes. Donc, ça sert à rien. Et puis là, son poil est vraiment pas beau en ce moment, comme elle n'a pas été bien. Hein? Oui. Va falloir mettre de l'huile de foie de je sais plus quoi dans la nourriture. Hein? Ou un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf, c'est super bon pour le poil des animaux. Enfin, je sais qu'aux chiens, on peut le faire. Mais aux chats, je sais pas. Faut que je regarde. Hein? Un petit jaune d'œuf le matin dans les croquettes.
Elle me meurt la chipie. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais ranger tout ça. Là, je suis encore en train d'essayer de ranger mon atelier parce que j'aimerais bien vous refaire une vidéo de mon atelier, si ça vous intéresse, hein. Mais il faut d'abord que je range. Ou alors je vous fais la vidéo avant, après. Ce serait pas mal. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez du soleil. Et là où il y a la canicule en ce moment, bah faites bien attention à vous. N'oubliez pas de boire et puis de surveiller les petites personnes âgées qui sont autour de vous. Hein, c'est pas un temps pour eux. Et puis les bébés non plus. Donc voilà, nous, il fait pas chaud, il fait pas froid, il y a un petit rayon de soleil, il y a du vent, il y a des nuages, donc bon, ça va. Allez, je vous laisse, gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!